Adjudant-chef Royer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef de recrutement du RSMA donc, Sud et Nord. C'est ça. Et vous avez un besoin à l'heure actuelle avec votre petit papier là. C'est ça. Alors dites-moi tout. J'en profite pour faire mes petites annonces. Oui. Donc vous savez qu'on va recruter au moins 400 stagiaires jusqu'à la fin de l'année. Donc les formations, on ne peut pas les connaître à l'avance. Mais là, pour le coup, je connais les formations du mois d'août et du mois de septembre. Donc je vais vous donner mes besoins. Donc au mois d'août, on a encore besoin de stagiaires en fibre optique. Donc c'est des stagiaires qui seront donc diplômés en électricité ou en électrotechnique. C'est une formation de 6 mois qui est faite sur 5 ans. On a besoin aussi d'agents d'entretien du bâtiment. Ce sont aussi des volontaires qui sont diplômés. C'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à les trouver. Donc diplômés dans le bâtiment hein, en général, hein, plomberie, peinture, électricité. Donc là c'est une formation de 8 mois qui se fait sur 5 ans. Et pour le mois de septembre, on a une formation d'électricien du bâtiment, donc pareil, des diplômés aussi, donc là, ben, dans le domaine, électricité. C'est une formation de 8 mois qui est faite sur Saint-Pierre. On a une formation d'employé commercial en magasin, donc là, il n'y a pas besoin de diplôme. Voilà, donc le jeune vient, pas besoin de diplôme. Bon, je ne vous rappelle pas les conditions, hein, c'est toujours entre 18 et 25 ans. Donc là, c'est une formation de 10 mois qui est faite sur Saint-Pierre. On a une formation coiffure aussi qui commence au mois de septembre, qui sera celle-ci sur Saint-Denis. C'est une formation aussi de 10 mois, pas besoin d'être diplômé. Voilà. Une formation d'aide cuisinier, qui celle-ci sera ici à Saint-Pierre, une formation de 10 mois. Donc pour les gens qui aiment la cuisine et qui veulent faire de la restauration, la formation commence au mois de septembre aussi. Et pour finir, on a une formation d'agro, celle-ci, vu qu'il y a une seule fois par an. Elle est très importante, donc les places, on ne les connaît pas encore, ça sera certainement 10 places. Donc l'agroalimentaire, la particularité, c'est qu'elle se fait sur Bourmura. Donc c'est une formation de 12 mois qui est faite sur Bourmura. Voilà. Donc voilà pour les prochaines formations. C'est ça, pour les 2 mois qui viennent. Merci beaucoup. Mais de rien.